Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Mon monde à moi, c'est le savon spirituel, quel qu'en soit le savon. Ici, je vais vous donner une astuce, rien qu'une astuce de protection. Comme je donne souvent plusieurs astuces de protection sur ma page YouTube, faites ça. Donc, faites des protections, c'est très important. Quel qu'en soit la protection, faites ça. Si là, il vous faut seulement deux ingrédients, vous voyez, non, la viande de bœuf ou bien la viande de porc. Et en plus, vous avez besoin des aiguilles comme ça. Oui, il vous faut 33 morceaux de viande plus 33 aiguilles. 33 de ces aiguilles-là. Il vous faut ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant? Faites d'abord une purification. Comme moi, je vous conseille souvent des purifications. C'est des purifications. Sans les purifications, vraiment, tout ce que vous allez faire ne mène à rien, disons comme ça. Tout ce que vous allez vouloir faire, même si vous avez un corps sale, est-ce qu'on peut protéger une maison qui n'a rien dedans? Non. S'il n'a rien, vraiment, il fait très froid depuis hier ici là, en Belgique. Que j'ai même, c'est même pas c'est la grippe qui va me prendre. Mais je veux boire un thé. C'était entre parenthèses. Donc, comme je disais, vous ne pouvez pas protéger une maison qui est sale, non. Une maison qui est vide, non. Donc, c'est la raison pour laquelle vous proposez toujours de faire des purifications. Ça, ce n'est pas la viande, ça, c'est la viande de bœuf. Mais il vous faut une viande sans os, comprenez, avec 33 morceaux. Donc, vous allez couper ça en 33 morceaux. Mais avant de donner, conclure là-dessus, disons comme ça là, nous savons très bien que je suis membre de l'IELO. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, chaque Africain doit avoir un compte de la crypto-monnaie. Nous avançons, on ne recule pas. Non, chaque Africain ne doit pas nous coloniser avec autre chose. Avec ça, je veux dire, encore une fois, on ne doit pas nous coloniser pour une deuxième fois avec la crypto-monnaie. C'est ça qui va dominer demain après demain. Moi, c'est ce que je parlais dans toutes mes vidéos. Donc, voilà, les amis. Et récapitulatif de la Suisse, parce que c'est juste une petite vidéo. Donc, vous avez besoin seulement de deux choses. Vous avez besoin soit de la viande de porc, soit de la viande de bœuf. Mais je conseille la viande de porc. Parce que la viande de porc, spirituellement, c'est un truc qui est presque interdit. Spirituellement, ça ne donne pas. C'est la raison pour laquelle je vous conseille la viande de porc, que vous allez prendre 33 aiguilles. Après avoir coupé la viande en morceaux, 33 morceaux, plus 33 aiguilles, qui ne risque rien à rien, essayez. C'est une astuce naturelle. Et puis vous allez préparer ça. Donc tout ça là, après avoir fait votre déblocage, ou bien une astuce d'ouverture, donc je vais dire une purification d'ouverture. Si vous avez déjà débloqué, faites une astuce d'ouverture. Alors là, vous faites ça et vous mangez, vous enlevez les aiguilles. N'avalez pas les aiguilles pour venir dire que la fille là a fait ceci, a fait cela. Non. Enlevez les aiguilles, vous mangez seul. Vous mangez les 33 morceaux de viande là. C'est clair que ce ne sont pas des morceaux énormes, c'est des morceaux convenables. Vous mangez ça en faisant vos vœux. Sans le vœu, l'astuce que vous allez faire là ne sert à rien. Ça c'est clair que sans les vœux, parce que accompagner toujours les vœux, je dis souvent aussi que la vraie magie, c'est ce qui sort dans votre bouche, qui ne risque rien à rien, c'est une astuce naturelle. Donc voilà mes amis, donc n'oubliez pas que je vends les savons de déblocage des chances pour les mêmes personnes. Les savons, si vous voulez un savon d'amour, si vous voulez un savon pour les enfants qui ne marchent pas, si vous voulez un savon pour donner un coup de pouce dans du miel à votre couple, vous venez me voir en privé. Si vous voulez même des conseils, hein, venez me voir en privé. Je suis là. Donc, vous pouvez vous abonner, les amis. Vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.